fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Voici 13 vidéos les plus effrayantes d'Internet. Dans cette vidéo captivante, nous observons une scène qui, à première vue, semble ordinaire. Un enfant joue avec une lampe de poche, projetant des ombres sur le sol. Mais ce qui se produit ensuite est à la fois déconcertant et effrayant. L'enfant s'éloigne, mais son ombre, étrangement, demeure figée sur le sol. Il ne suit pas ses mouvements comme elle le devrait. C'est comme si l'ombre avait une vie propre, détachée de celui qui la projette. Une silhouette sombre, définie et immobile, qui défie toute explication logique. Cette image pourrait bien hanter ceux qui la voient. Un rappel que parfois, même les lois de la physique peuvent être mises en doute. Parfois, une simple blague entre sœurs peut mener à une découverte terrifiante, surtout si la maison a une longue histoire de manifestations étranges. C'est ce que nous découvrons dans cette vidéo partagée par une utilisatrice de TikTok qui nous plonge dans l'atmosphère inquiétante de leur demeure. Let's go get my sister. Hey, Jared. Got you, me. Got you. Go, 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 go. Okay. Hey, Charlie. Oh my God, Danny. Literally, someone just ran in here, I think. Huh? Someone just ran in your room. L'intention était de surprendre, mais c'est elle qui est prise de court en voyant une silhouette obscure se dessiner brièvement à gauche de l'écran. Une présence fugace, juste assez longue pour semer le doute et l'inquiétude. La tension monte d'un cran lorsqu'une ombre semble jeter un œil curieux autour du coin. S'agit-il d'un simple jeu d'ombre ou d'un phénomène bien plus sinistre? La possibilité que cela soit une farce ou une illusion demeure, mais l'ambiance pesante et l'histoire de la maison suggèrent autre chose. Quelle est votre interprétation de ces images troublantes? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Imaginez-vous, dans le silence de la nuit, être réveillé par des murmures indistincts venant de la rue. Vous pourriez penser à un animal errant, mais ce que Luis Alberto Marin a découvert cette nuit-là défie toute explication.
vers l'objectif de son téléphone, il capture une forme blanche énigmatique. De prime abord, elle pourrait être prise pour un animal, mais aucun cheval ou vache ne se promènerait dans les rues d'une ville endormie. L'intrigue s'épaissit quand cette forme commence à se mouvoir d'une manière qui évoque étrangement la démarche humaine. Observez la scène derrière les barreaux de la fenêtre. La taille et les mouvements sont disproportionnés par rapport à ceux d'une personne. Et si on ajoute un effet de lumière, la confusion ne fait que croître. Pourriez-vous vraiment affirmer que c'est un homme qui se tient là? Ou est-ce que Luis Alberto a filmé quelque chose de bien plus mystérieux? Dans une vidéo qui donne froid dans le dos, Carl de la chaîne Dark Arts TV s'aventure seul dans les profondeurs des tunnels de Brinksway à Stockport, un lieu chargé d'histoire et de tragédie. Ces tunnels, devenus un abri pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, sont aujourd'hui le théâtre d'exploration paranormale. Oh, this is very, this is eerie. I'm gonna keep going. I'm gonna keep going, see where we go to. I know this is probably not a wise idea that I'm walking off on my own and stuff, but I don't know. It's all blocked off again. Right, I definitely can't hear anyone now. Right. What the fuck is that? Hello? Hello? Just as I was approaching the corner, I had an overwhelming feeling as if I wasn't alone. As I turned the corner, I could see what I thought to be a silhouette moving up the tunnel. On review, we can clearly see what seems to be a black figure with a yellow outline. We believe that this is possibly a spirit. Let us know what your thoughts are on this. This is weird. Right, I'm literally on my own in these tunnels. This is really weird because I've just literally come around the corner and no joking, I think I might have seen like a silhouette or something. L'explorateur semble être seul, mais alors qu'il s'enfonce plus profondément dans l'obscurité, une présence soudaine se manifeste. À l'autre bout du tunnel, une silhouette se dessine brièvement, aussi fugace qu'effrayante, avant de se dissiper comme de la fumée. Carl est convaincu d'avoir filmé un phénomène paranormal, une conviction partagée par de nombreux spectateurs. Cette apparition est-elle la preuve d'une présence spectrale dans ces tunnels hantés? L'interprétation reste ouverte, mais l'écho de ce mystère résonne bien au-delà de l'obscurité de Brinksway. L'antique prison d'État de Nevada, située à Carson City, est un monument historique qui remonte à 1862. Ce lieu emblématique, riche en histoire et en légendes, est connu pour ses phénomènes paranormaux qui alimentent les rumeurs d'activités surnaturelles. C'est ce qui a poussé l'équipe de Ghostvex Paranormal à explorer ces couloirs abandonnés à la recherche d'indices. Can you make a noise for me? Let me know where you are. Let me know where you are. Do you want to see what I'm seeing right now? This is with night vision on. That's what I see right now. All right, I'm gonna head back. À
Alors qu'ils avancent dans l'obscurité, une voix se fait entendre, semblant murmurer un avertissement. « Get out !» Soudain, au loin, une silhouette blanche se matérialise brièvement avant de se volatiliser, laissant les enquêteurs et les spectateurs en ligne stupéfaits. Cette apparition pourrait-elle être l'âme errante d'un ancien détenu? Ou n'est-ce qu'une illusion? Les débats sont ouverts et chacun y va de sa théorie. Partagez-moi, partagez la vôtre et dites-moi si vous croyez à la présence de fantômes dans cette vieille prison. Voici une vidéo qui risque de vous faire réfléchir à deux fois avant de laisser vos enfants seuls à la maison. Partagée par un utilisateur sur les réseaux sociaux, cette séquence montre des événements inattendus et troublants se déroulant à l'intérieur d'une maison apparemment ordinaire. Quoi ? La vidéo débute par une scène étonnante où une poupée semble faire un geste derrière la télévision, puis soudainement disparaître. Lorsque la personne qui filme vérifie, il découvre que la poupée est tombée sur le sol, éliminant la possibilité que la main vue précédemment fasse partie d'une personne cachée. Soudain, une silhouette enveloppée dans un drap se met en mouvement dans la pièce. En retournant l'attention sur la poupée, il n'est plus à sa place initiale. La vidéo prend un tournant encore plus effrayant lorsque la silhouette sous le drap apparaît tout près de la caméra avant que la vidéo ne s'arrête brusquement. Cette séquence sème le doute et la peur, laissant tout le monde se demander ce qui s'est réellement passé. Était-ce un simple tour joué par un membre de la famille ou y a-t-il une explication plus surnaturelle? Partagez vos opinions et théories dans les commentaires. Une vidéo de caméra embarquée, typiquement utilisée pour capturer les infractions routières, a cette fois-ci enregistré un événement qui semble défier toute logique et qui laisse même un policier perplexe lors d'une patrouille nocturne. Alors que la voiture de police roule sur une route sombre, une forme brumeuse surgit soudainement dans le faisceau des phares. L'apparition est si soudaine et si inattendue que l'officier n'a pas le temps de réagir et passe au travers comme si elle était composée d'air. Visiblement troublé par ce qu'il vient de voir, le policier fait demi-tour pour enquêter davantage. Au retour, une silhouette indistincte est aperçue en train de traverser la route, renforçant l'idée qu'il pourrait s'agir d'un phénomène surnaturel. Avec un titre aussi explicite que « Fantôme capturé sur caméra de police », il n'est pas surprenant que les internautes se soient enflammés. Beaucoup affirment que la vidéo est authentique, mais que croyez-vous que cet officier ait réellement vu ? Une soirée détendue entre amis marquée par des chansons et de la bonne humeur a pris une tournure effrayante lorsqu'une vidéo a capturé bien plus que de simples souvenirs. Kau pergi meninggalkanku. Sebut cintaku berlebihan. Dans la souciance de la nuit, alors que la caméra se balade, elle révèle soudainement une présence inquiétante. Juste à côté d'un arbre se dresse une silhouette figée, ressemblant étrangement au pogong. L'effrayant spectre enveloppé de linceul, bien connu dans le folklore indonésien. La vidéo a été partagée révélant cet intrus spectral qui avait échappé à l'attention des amis. L'apparition s'est avérée suffisamment convaincante pour semer le doute et l'émoi parmi ceux qui l'ont visionné. Alors, simple coïncidence ou réel fantôme capturé par inadvertance, cette silhouette était-elle un passant hasardeux ou une entité d'outre-tombe? Le débat reste ouvert. Même dans la lumière du jour, un cimetière peut être l'épicentre de mystères insondables. Une vidéo récente sur le compte Vault of Fear a récemment attiré l'attention de plusieurs personnes et vous allez tout de suite comprendre pourquoi.
Oh. See it? Yeah, look at that. Do you see it? Dans cette séquence, alors que la caméra parcourt le cimetière, l'opérateur capture une image qui fait battre le cœur plus vite qu'une horloge. À proximité d'une vieille église, une forme indistincte attire l'attention. C'est là, presque imperceptible, une silhouette qui pourrait être celle d'une femme se tenait immobile à la porte de l'église. Le caméraman haletant zoome sur cette apparition avant qu'elle ne s'évanouisse dans le néant, comme si elle n'avait jamais été. Les réactions sont partagées entre ceux qui pensent avoir assisté à une authentique manifestation et les sceptiques qui émettent des doutes pour chasser un démon malicieux. La vidéo a été prise près d'un entrepôt qui, autrefois, était le théâtre d'un exorcisme pour chasser un démon malicieux. Pourrait-elle avoir capturé l'écho de cet ancien esprit perturbateur ? Dans cette vidéo, un instant de tranquillité transformé en un scénario digne d'un film d'horreur. C'est ce qu'a vécu Val Saint-Louis, dont la caméra de sécurité a capturé un événement pour le moins perturbant le 14 octobre 2023. Alors que Val se repose paisiblement sur son canapé, le calme est soudainement interrompu. Autour d'elle, des objets se mettent en mouvement de leur propre volonté, comme animés par une force invisible. C'est avec une précipitation justifiée que Val quitte la pièce, visiblement secouée par cette série d'événements inexpliqués. Dans la tourmente de cette agitation, Val exprime son désarroi sur les réseaux sociaux, évoquant des perturbations récurrentes qui ont marqué son quotidien depuis des années. Elle envisage même de quitter ce foyer, devenu théâtre de phénomènes inexplicables. Entre jouer s'animant seul et atmosphère lourde d'une présence invisible, les témoignages se multiplient, tous plus troublants les uns que les autres. Les internautes ne manquent pas de sympathie et de conseils, proposant à Val de purifier son intérieur avec de la sauge ou du cèdre, dans l'espoir d'éloigner les ondes négatives. Mais la question demeure. La vidéo de Val est-elle la preuve irréfutable d'une activité paranormale ou n'est-ce que le fruit de circonstances étranges, mais inexplicables, mais explicables ? Dans cette séquence à vous couper le souffle, nous sommes témoins d'un moment qui a manqué de virer au drame. Un passant de nuit échappe de peu à un accident qui aurait pu être fatal. La scène capturée par une caméra de sécurité montre un véhicule hors de contrôle frôlant dangereusement un homme qui marchait tranquillement. Mais ce qui a retenu l'attention de Samir, bien plus que l'issue miraculeuse de l'accident, c'est une découverte stupéfiante lorsqu'il a visionné la vidéo. L'apparition soudaine de ce qui semble être un ange gardien au moment précis de l'accident. Regardez. Sur les images, on observe un enfant qui semble se matérialiser de nulle part, disparaissant tout aussi rapidement et de façon inexplicable. Samir est convaincu que c'est cette présence surnaturelle qui a permis d'éviter le pire, surtout compte tenu du fait que l'incident a eu lieu à une heure où aucun enfant ne devrait être dehors. La rapidité de l'événement laisse l'homme sans réaction, renforçant l'hypothèse d'une agilité et d'une intervention, qui dépasse l'entendement humain. Alors, sommes-nous face à une intervention divine, un coup du destin ou simplement une illusion d'optique ? Il est rare que la chaîne de restauration rapide KFC soit associée à des phénomènes paranormaux, mais une succursale au Mexique a récemment fait les gros titres pour des raisons surnaturelles. Un employé y a vécu une expérience terrifiante, partagée par l'utilisateur TikTok et la Doscuro Bujan. L'employé, occupé à nettoyer le restaurant après les heures de service, est soudainement et violemment tiré à terre par une force invisible, comme s'il était saisi par un spectre. L'homme lutte pour se libérer de cette prise paranormale.
Cette vidéo n'est que le sommet de l'iceberg des mystères entourant cette franchise de KFC. Employés et clients partagent des histoires troublantes de sensations de surveillance et de contacts fantomatiques, souvent des questions sur la présence d'une entité autre que celle du célèbre colonel. Est-ce que les murs de ce KFC cachent un secret bien plus sombre que la célèbre recette des 11 herbes et épices, ou est-ce simplement l'œuvre d'un farceur qui a un goût pour le théâtre dramatique ? Cette histoire risque de vous faire hésiter avant de rentrer chez vous ce soir. Tania, une utilisatrice inquiète, a partagé une vidéo capturée par sa caméra de sécurité, révélant des événements qui dépassent l'entendement. La scène commence de manière banale, mais une ombre mystérieuse apparaît rapidement, défiant toute logique. Elle semble se projeter sur le mur depuis une zone visible par la caméra, ce qui soulève la question. D'où vient cette ombre ? L'élément le plus terrifiant survient peu après. Une silhouette féminine apparaît, semblant émerger du mur lui-même. Cette vision est d'autant plus inquiétante que le mur, nous assure Tania, car ce dernier est une structure solide, impénétrable. Tania et sa famille sont convaincus que cette apparition n'est autre que l'entité qui trouble leur vie depuis peu, un esprit malveillant cherchant à nuire. Mais est-ce vraiment le cas ? Ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre à ces événements troublants ? Si votre rêve a déjà été de tourner un documentaire seul en pleine forêt, alors je pense que cette vidéo risque de vous faire changer d'avis. Voici un homme qui semble grandement s'intéresser par la forêt, qu'il explore et dont la passion est d'en découvrir un peu plus sur ce milieu qu'il ne pensait pas si hostile. Alors qu'il décrivait un peu son environnement dans cet extrait de vidéo, il aperçut au loin ce qui semblerait être un garçon. Se demandant ce qu'un garçon puisse faire seul dans les bois à une heure pareille, il décide donc de se rapprocher de lui et, dans la mesure du possible, de l'aider. Avant de poursuivre cette vidéo, ne faites jamais une chose pareille. Güey, es un maniquí, güey. Güey, la neta estoy bien asustado ya, güey. Une fois près du garçon, ils se rendent très vite compte qu'il s'agit en réalité d'un vieux mannequin à l'allure d'un jeune garçon qui traînait. Pasaban cosas, pero como nunca me había pasado nada a mí, la neta yo me sentía como que todo estaba... Tranquilízate. Ay, güey. No, güey. A ver. Yo no quiero creer en estas cosas. Y tú no te pudiste haber movido. Entonces te voy a grabar hasta que te muevas, ¿va? Y no te vas a mover. Il se rend compte que quelque chose cloche avec ce mannequin qui semble assez étrange. Le caméraman commence à respirer très fort et on peut sentir qu'il est très perturbé sur la vidéo. Alors qu'il décide de se rapprocher lentement de ce mannequin, surgit de nulle part une créature étrange qui se dirige directement vers lui. Il se mit à courir à ne pas s'en arrêter. S'en est-il sorti vivant ou mort ? Pour l'instant, ce sont les seules informations qu'on a de lui. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur ce qui lui est arrivé par la suite, car de nouvelles informations concernant cet homme risquent de ne pas tarder à parvenir à mes oreilles. Pendant que tu reprends tes esprits, mets un like, c'est gratuit et ça te permettra de faire flipper plus de gens sur YouTube. Merci. Si vous êtes friand de tout ce qui est en rapport avec le paranormal, alors vous êtes déjà sûrement tombé sur l'une des vidéos de DK Karine.
Cet enregistrement en particulier le montre lui et son équipe dans une pièce assez étrange, à la recherche d'une activité paranormale. Jusque-là, rien de bien grave, à part une pièce assez étrange qui ressemble plus à un sanctuaire qu'autre chose. N'ayant donc rien trouvé de bien flippant à l'intérieur, lui et son équipe décident donc de sortir voir à l'extérieur. Une fois dans la cour, le caméraman remarque quelque chose d'assez étrange au premier étage, au niveau de l'une des fenêtres de la maison en face d'eux. De quoi s'agit-il à votre avis? On peut voir là un homme assez étrange qui, à la vue de la caméra, décide de se retirer de façon rapide dans la maison. On aurait pu se dire qu'il s'agirait tout simplement d'un homme qui n'aime pas se faire filmer par des caméras. Mais regardez un peu l'aspect de la chambre vue de l'extérieur. Elle est assez lugubre et mériterait qu'on aille y jeter un coup d'œil afin de voir si quelqu'un habite réellement là ou pas. Notez qu'il est toujours très important d'être accompagné lorsque vous voulez tenter ce genre d'expérience. On dit la plupart du temps que les yeux des enfants peuvent voir ce que l'on ne peut pas appréhender du premier coup d'œil. Mais là, il s'agit d'un fait qu'on a tous vu et qu'on a tous senti passer. Comme on peut le voir dans cette vidéo, cet enfant pleure du fait que ses parents et son frère soient partis et les laissés tout seuls. Il se balade donc dans ce qui pourrait sembler être une compagne, et ce, tout seul dans le noir. On entend sa respiration et ses suffocations incessantes du fait qu'il ait peur, mais ce que ce pauvre petit garçon ne savait pas, c'est qu'il allait bientôt se retrouver dans une situation encore plus horrifiante. Hola chicos, estoy grabando este video porque mi papá y mi mamá se fueron a comprar una cosa en el almacén y mi hermano se van a estar en la pieza, pero yo sentirlo alojado por acá. No sé qué está pasando, pero quiero tratar de grabar. ¡Ah! Miren eso. Comme on peut le voir dans cette vidéo, cet enfant a rencontré ce qui pourrait sembler être une créature de la nuit. Enfin, on n'en est pas si sûr, mais cela ne semble pas être quelque chose de bien gentil. Plus loin, on entend des cris de loups qui interviennent à ce moment-là. Autant dire que cet enfant aura eu la peur de sa vie. Encore une autre histoire terrifiante avec cette fois-ci deux jeunes, un garçon et une fille, qui se filmaient dans leur chambre. Tout allait bien, enfin presque. Et ella ya tiene miedo. Bro, basta. Decí qué pasó, bro. Se cortó. Bueno, digo yo. Y ahora, bueno, ahora tiene miedo la nena. Yo ya estoy acostumbrado y quiero que se vaya. ¡Ay! Quelques secondes après le début de la vidéo, on peut apercevoir l'une des décorations du plafond de leur salon bouger, sans qu'il n'y ait personne dans la maison, ni aucun vent pour le faire bouger, étant donné que c'est un endroit clos. Au départ, ils ne pensaient qu'il ne s'agissait que d'un courant d'air provenant d'une autre pièce. Oui.
¿Viste? No, basta. Se movió la luz. Basta, te dije que basta. Ay, que... Papá, que fue Maki. ¿Cómo que fue Maki? La concha de tu madre, se movió eso. La jeune fille était déjà effrayée parce qu'elle sentait qu'il n'était pas seul dans la maison. Maki! Non, Norita está durmiendo. Maki! Norita, anda busca. La vidéo se poursuit et cette fois-ci, quelque chose d'encore plus étrange se produit. On peut apercevoir cette chaise bouger toute seule. Là, pas de doute possible, ils n'étaient pas seuls. Les deux voulaient tant bien que mal s'échapper de là où ils étaient logés, mais n'y arrivaient pas car la porte semblait coincée. Numéro 7. Inquiétante, cette famille. Ce qui s'est passé dans cette vidéo te laissera sous le choc. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique. Tu as la trouille.